Il y avait du spectacle, il y avait des danseurs, il y avait des musiciens. Il y avait du monde. C'était le mardi 8 mai au Fonds Saint-Martin. L'Office municipal de la culture avait réuni une grande partie des associations rambasiennes pour la grande kermesse annuelle. Et parmi elles, beaucoup avaient pensé au public en proposant différents plats typiques. On pouvait donc déguster, et dans le désordre, une bonne paella, de la flamencourt, du bacala, des saucisses grillées, des beignets de crevettes, de la pâtisserie et même de la barbe à papa. Vers 15h, le Fonds Saint-Martin commençait à ressembler à une petite fourmilière et tout le monde pouvait déambuler à travers les stands des associations. Et là aussi, il n'y avait que l'embarras du choix. Entre la traditionnelle pêche au canard, le maquillage ou encore le plaisir de casser des assiettes. Allez, on les encourage. Nouveauté cette année, l'OMC avait invité la compagnie belge du Tarmac pour animer les allées du Fonds Saint-Martin.
Entre humour et prouesse, les quatre comédiens du Billy Beat Swing ont même fait participer le public. Autre invité au cours de cette journée, Ben Condé et ses musiciens. Eux aussi, ils se sont promenés sur tout le site et au hasard d'un endroit, lorsqu'ils rencontrent un danseur venu d'un autre genre, le mélange entre le rap et les rythmes africains résume bien l'esprit de cette kermesse, un joli mélange pluriethnique et pluriculturel. We'll be right back.
avec le journal à l'envers. Oh là, ça c'est beaucoup plus difficile, hein. Non, et le journal. Regarde, là. Ah, pardon. Le journal à l'envers.